Le portail de l'ange, c'est le nom du roman que vient de publier la genevoise Sonia Frisco. Focus sur cette romancière genevoise que vous pourrez rencontrer à l'occasion du Salon du Livre. Ça a été vraiment une véritable aventure d'écrire ce livre. Ça a été un honneur de vous l'écrire et je suis très fière de l'avoir écrit. J'ai commencé le Portail de l'Ange tout de suite après le Salon du Livre de 2002. Et puis en 2003, enfin droit derrière, je suis tombée gravement malade. Et puis j'ai perdu pied. Oui, littéralement, je me suis noyée. J'ai passé des grands déserts, j'ai traversé des grands océans sans forcément de bouée de sauvetage. J'ai pris tout ce que j'ai pu autour de moi, les sourires. Des mots. Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus marcher, je n'entendais plus rien, je ne voyais presque plus. C'était très dur. Mais j'ai réussi. J'ai réussi notamment grâce à mon enfant qui m'a vraiment relevée, qui m'a prise par la main, qui m'a dit « je vais t'aider » et elle m'a aidée. Et j'ai recommencé à marcher, j'ai recommencé à rire, j'ai recommencé à y croire. J'ai recommencé surtout à faire quelque chose qui paraît rien, mais qui est énorme, c'est à avoir la capacité de rêver. C'est un roman, donc c'est complètement imaginaire, c'est une vraie fiction. Et le protagoniste principal reste un tout petit enfant de 4, 5 ou 6 ans. Donc vous dites, mais comment est-ce qu'il peut plaire? Comment c'est possible? C'est toute la magie de ce livre. Moi, cet enfant, c'est un petit peu l'image de ma petite, oui, qui m'a pris par la main et qui m'a remontré le chemin vers la vie, le chemin vers l'espoir, le chemin vers l'amour, le chemin vers le pouvoir décider. Moi, je me définis plutôt comme une petite romancière. Voilà, j'aime bien ce terme, une petite romancière.